Mes chers compatriotes, le Front pour l'Unité, c'est le rassemblement autour d'une même vision de l'avenir pour la Calédonie dans la France en vue d'un troisième accord qui sera soumis au référendum. Le Front pour l'Unité, c'est le rassemblement autour d'une même vision de la société, une société d'initiative, une société de la réussite. Nous voulons faciliter les créations d'emplois et l'esprit d'entreprise en allégeant la pression fiscale et réglementaire. La première des injustices, c'est de subir une insécurité grandissante et des incivilités quotidiennes. En soutien à l'État et aux communes, aucun effort ni aucune ressource ne seront épargnés pour restaurer votre sécurité. Cela passera par exemple par la création d'un centre pour mineurs délinquants multirécidivistes. Le Front pour l'Unité, c'est le rassemblement autour d'un projet de société structuré, autour d'une économie dynamique et solidaire. Dans l'économie calédonienne, le nickel, c'est notre socle. Vous êtes plus de 10 000 familles à en vivre. L'industrie minière et métallurgique, c'est la clé de notre avenir. Cette industrie doit se développer au bénéfice de tous les Calédoniens. C'est pourquoi nous nous engageons à mettre enfin en place un fonds pour les générations futures. Ce fonds sera alimenté par les bénéfices du nickel. Le Front pour l'Unité, c'est le rassemblement pour une société plus solidaire. La lutte contre la vie chère, en libérant la concurrence, a toujours été et sera notre priorité. Nous continuerons inlassablement à porter notre politique de l'habitat, comme en 2013, où nous avons aidé la construction de 970 logements. Nous voulons une société plus solidaire avec ses jeunes. Avec le plan Agir pour la jeunesse, nous avons refusé la fatalité de l'échec scolaire. Notre projet s'appuie sur une école de la réussite, qui sera aussi une école d'un destin commun. Notre école sera celle de l'apprentissage de nos valeurs fondamentales de respect, de tolérance et du mérite. Nous voulons une société plus solidaire aussi avec ses aînés. Créer un régime de retraite pour les indépendants, valoriser l'engagement des jeunes auprès des personnes âgées par exemple. Le 11 mai, je compte sur vous. Ensemble, nous pouvons.